toujours en compagnie de Christine Pagé, psychologue. Afin de partager, discuter, apprendre, rencontrer, s'informer et comprendre ensemble sur tous les sujets concernant l'éducation et la famille, bienvenue ici à votre podcast Éducation Famille. Quels sont les nouveaux défis ou les défis qui sont plus qui ressortent le plus justement des adolescents, des enfants, des parents maintenant en psychologie là, souvent c'est peut-être plus la familiale que vous faites ou pour gérer les troubles anxieux, etc. Qu'est-ce qui ressort le plus, qui ressortait moins avant? Oui, c'est ouais, quand même une bonne question. Les nouveaux défis, je compare un petit peu à ce que j'avais il y a 15-20 ans, par exemple, dans mes débuts. Les écrans. Ah, les écrans, ça fait une différence dans le... Les écrans. Bien, il y a énormément de conflits parents-enfants, parents-adolescents en lien avec le temps passé sur les écrans. Puis bien, je dirais même autant pour les adultes, parce que nous aussi, on passe beaucoup de temps sur les écrans. Non. Les enfants s'élèvent seuls, comme on dit en bon québécois. C'est ça, on n'est pas toujours disponible à l'écoute parce qu'on est en train de regarder quelque chose, d'écrire quelque chose, peu importe. Fait que c'est un peu pour tout le monde, mais je pense que le phénomène des écrans qui est arrivé, là, ça fait quoi, là, peut-être 10, 12 ans, mettons max, même pas 15 ans, là. Ça, c'est un défi pour tout le monde parce que les gens passent moins de temps à faire autre chose comme activité sportive. À se parler, là. Des fois, dans une maison, t'as les quatre sont sur leur écran, mais ils se parlent pas. Exactement. Ça nous est tous arrivé, oui. Là. Ah oui, tout à fait. Donc, au niveau de la communication, effectivement, dans, le lien relationnel, la communication dans la famille, dans le couple, parents-enfants, que ça a vraiment un gros impact là-dessus. Mais je pense que ça a aussi un gros impact sur nos capacités d'attention, de concentration. Mm. On parlait de TDAH tantôt. J'ai l'impression qu'il y a une partie des problèmes d'attention qui viennent peut-être aussi de ça. De combien, comment on passe du temps, puis on s'entend qu'il n'y a rien d'aussi stimulant que ce soit les jeux vidéo pour les jeunes, des vidéos, tout ce qu'on regarde, hein, qui crée une belle dose de dopamine, là, d'hormones du plaisir. Là. Il y a peu de choses d'aussi stimulant. Hein, une enseignante, c'est... Le prof, il est pas mal plate après une game de Fortnite. Exactement ça. C'est très difficile. Après un week-end de Fortnite, le lundi... Oh, le prof est bien plate. Fait que je pense que ça, c'est le problème majeur en ce moment dans les familles, mais dans la société. Là, on s'entend, c'est pour tout le monde. Hein. Ouais. Puis, qu'est-ce qu'on pourrait conseiller aux parents, justement, au niveau des écrans? Qu'est-ce que vous leur conseillez quand, justement, ça devient... moi, naturellement, aussi, là, à travers mes centres pédagogiques, je vois des parents, et des fois, à chaque fois, ça me surprend. Puis, j'ai pas naturellement votre formation, mais d'après mon expertise, puis j'en accompagne des parents. Et à chaque fois, je suis surpris de parents qui me disent « Ah, ben là, il faut que je lui en parle. Ah, ben là, c'est parce que je sais pas si c'est lui qui va décider. Moi, mais là, je veux pas l'écœurer avec des cours. » Là, des fois, j'ai goût de leur dire, puis des fois, je leur dis « Écoutez, il y a pas un élève là, qui vient en courant habituellement pour des cours privés. Là, tu sais, les besoins sont là, puis tout ça. Il y en a qui sont super intéressés. » Mais moi, c'est cet aspect-là de dire, de donner tellement le pouvoir à l'enfant. Moi, j'en ai une de 25 ans chez nous, là, puis je reste sa mère, puis elle habite chez moi. Là. Elle a 25 ans, elle est libre de ses choses, mais je reste sa mère et je vais être sa mère toute sa vie. Puis des fois, je mets des balises. Donc, je me dis, mais quand un enfant de 8-10 ans, puis que tu penses aller dialoguer avec lui comme si c'était ton conjoint ou comme si tu voulais le concerter, il y a des décisions en tant que parent qu'on n'a pas besoin de concerter nos enfants. Là. Si on peut leur en parler comme quoi c'est là, ça arrive, ça vient, les besoins sont là. Puis des fois, ça à chaque fois, je me dis, mais mon Dieu, puis je dis aux parents, mais écoutez, moi j'en ai une aussi, là, puis j'en ai un de 16-17 ans, puis pas lui qui décide. Mais des fois, c'est pas lui qui décide, là, c'est moi qui décide. Donc, c'est-tu moi qui est encore trop autocrate comme mère, qui est un petit peu caporale, parce que je me considère comme une mère un peu caporale. Mais je regarde mes enfants aller, puis je me dis, bon, ben tu sais, j'aurais pas toujours transféré du bon. Mais ça, je trouve que ça fait des jeunes ouverts qui respectent l'autorité. Donc, qu'est-ce que vous voyez, vous, à travers vos consultations de ça, de ces enfants-là? Je pense que
C'est difficile parce qu'en même temps, chaque famille, puis chaque enfant, chaque parent, on est unique. Puis il y a des enfants, tu sais, que facilement, ils ont une certaine discipline. Ils vont faire leurs devoirs, ils vont faire leurs travaux avant d'aller sur les écrans ou de faire autre chose. Ils vont prendre du temps. À un moment donné, ils sont de l'écran, ils vont aller dessiner, peindre, jouer de la musique ou s'entraîner en sport. Tu sais, il y en a qui le font naturellement, puis que les parents, ils ont pas tant besoin d'intervenir, alors qu'il y a d'autres enfants qui feraient ça 12 heures par jour. Là. Je veux dire, si on n'en met pas de balises, on n'en met pas de limites, ils ne feront pas leurs devoirs, ils n'iront pas faire du sport ou des arts, peu importe, ils n'inviteront pas d'amis à la maison. C'est sûr qu'avec ces enfants-là, on n'a pas le choix d'intervenir puis de mettre plus de limites. Puis c'est vrai que ça crée des graves conflits puis des crises émotionnelles, des crises de colère. Mais c'est ça, tu sais, comme parents, c'est la manipulation émotive embarque. Oui, c'est ça. Fait qu'avec ces enfants-là, puis ces adolescents-là, mais là, je serais portée à dire, c'est ça, rendu à l'adolescence, ça devient un petit peu plus difficile de contrôler, déjà parce qu'il y a beaucoup de choses, même à l'école, qui se passent en ligne. Il y a des plateformes, il y a tout ça. Puis avec ce qu'on a vécu dans les dernières années avec la pandémie, bien, à un moment donné, ils n'avaient que ça, les jeunes, pour communiquer avec leurs amis. Ils ne pouvaient plus les voir. C'est le temps d'avoir un peu de lousse, là, parce que c'est leur seule façon de socialiser. Tout passait en ligne. L'école était en ligne, les amis étaient en ligne, tout était en ligne. Donc, bon, avec là, ça n'a pas aidé par rapport aux écrans. C'est clair, ça n'a pas aidé les familles, parce que là, maintenant, sortir de ça, où là, on n'a plus besoin de temps, on peut voir les gens en direct, en résidentiel, comme on dit. Fait qu'il y a ça. Fait que je pense que c'est ça. Si on a un enfant qui est discipliné, qui a des bons résultats à l'école, tu sais... qui gère bien ses choses, on n'a pas... Hein. Mais si on voit que ça a des répercussions sur le résultat scolaire, ou que justement le jeune a un agenda comme un premier ministre, ou qui fait du élite au hockey, puis c'est du 3-4 fois semaine, mais qu'il a aussi des difficultés scolaires, bien là, à un moment donné, il faut penser à se rencontrer et de dire, bon, oui, le hockey, c'est important, mais là, il y a une réussite. La plupart ne seront pas à la Ligue nationale. La plupart ne feront pas la Ligue nationale. Ils vont tous se retrouver dans une ligne de garage, la plupart. Alors, c'est sûr que à partir de ce moment-là, si le parcours scolaire est difficile, ben il faut se parler, il faut être capable de... Puis le parent, des fois, doit sévir, doit prendre des décisions. Moi, souvent, j'ai aidé des parents à prendre des décisions, à dire, bien, écoutez, ouais, mais il veut pas. OK, mais est-ce qu'il a toujours son cellulaire? Est-ce que vous lui laissez toujours ses privilèges? Ça, ben oui, bien, OK, bien, regardez, le jour où vous allez peut-être lui dire que ça vient, c'est un package deal, là, ça vient avec ça, sinon il n'y a plus de cellulaire. Puis c'est ça, puis on parlait justement, vous avez dit le mot responsabilité. Le parent, ça vient, le fait d'être parent, ça vient des responsabilités. Ouais, puis là, c'est une mauvaise roue qui tourne, parce que là, la charge mentale, qu'est-ce qu'on va faire? Bien, on va souvent baisser les bras, on va dire, regarde, moi, là, je n'entends pas m'ostiner. Regarde, tu veux. Bien, moi, souvent, là, j'ai entendu ça, je dis, regarde, bien, il fera comme moi, il se cognera le nez plus tard. Il fera comme moi, là, il recommencera trois fois sa sixième année. Il fera comme moi. Donc... Oui, comme intervenante, hein, c'est pas facile d'entendre ça. C'est pas facile, parce que des fois même, tu sais, il y a des cas-là, mais des fois même, c'est les parents qui vont dire, « Ah, je comprends tellement de pas aimer ça, les mathématiques. Moi, j'haïssais ça, les maths. Je trouvais ça, j'ai pourri là-dedans. » Mais moi, je leur dis, tu sais, la bonne intention est de dire à son enfant, « Regarde, je te comprends tellement. » Puis, tu sais, il y a toujours une bienveillance derrière ça. Mais je leur dis, « Écoutez, vous êtes son modèle. » Alors là, il lui dit, « Ah, moi, t'haïssais ça, les maths? » Ben, je comprends pourquoi j'aime pas ça. Je vais continuer à pas aimer ça. Puis, ah, t'as pas passé ton maths secondaire 5? Bien, je comprends. Donc, moi, si je le fais, c'est comme correct. Toi, t'es mon idole, t'es mon père ou t'es ma mère, donc je vais le faire. Donc, il y a toutes ces choses-là à démêler avec les parents. C'est comme d'autoriser l'enfant à faire comme on a fait à ce moment-là. Oui, oui. Vraiment, plutôt qu'au contraire, le pousser à aller peut-être plus loin que ce que, comme parent, on a réussi à faire, là. Donc, c'est ça, puis c'est ça qu'on voit parmi les parents. Et avec la charge mentale, puis on voit, je pense, qu'il y a des employeurs qui sont de plus en plus ouverts à ça. Est-ce que vous voyez, vous, des changements avec justement les gens que vous voyez en charge mentale qui ont eu des ajustements de la part de leurs employeurs, des ajustements externes où tout devait venir d'eux? Bien, je pense que le plus grand ajustement qui s'est fait dans les dernières années, c'est peut-être un des plus des confinements et de la pandémie, c'est le télétravail. Pour ceux qui aiment ça, évidemment, il y en a qui aiment moins ça. Ben, c'est correct qu'ils aillent au bureau aussi. Mais pour bien des mamans, justement, avec une lourde charge mentale, des mamans monoparentales aussi, souvent, parce que là, on n'en a pas parlé, mais il y a quand même des mamans monoparentales qui doivent vraiment... Ça vient doubler la charge mentale. Exactement, qui doivent vraiment tout gérer. Bien, le fait au moins d'éviter deux heures, c'est pas trois de
trafic par jour, c'est énorme là, de venir gagner 2-3 heures par jour, on s'entend. Là. Puis c'est ça que les employeurs qui permettent une certaine souplesse, c'est-à-dire si la maman a un rendez-vous pour les enfants ou pour elle-même, ben, elle finit un petit peu plus tard. Ou la semaine qu'elle a ses enfants, elle travaille un peu moins. La semaine où les enfants sont chez papa, elle travaille un peu plus. Et de plus en plus, je vois des arrangements qui sont faits comme ça. Fait que ça, c'est vraiment bien. Mais bon, c'est pas le cas de tous les employeurs, mais évidemment, j'encourage les employeurs à le faire. C'est pour ça que j'en parlais. Mais je pense que de plus en plus, ça l'a permis ça, là, le télétravail, ça l'a amené cet aspect-là. On sait très bien que les gens ne sont pas tous retournés 5 jours semaine à leur bureau au centre-ville de Montréal. On sait que c'est pas ça. Non, puis il y a même certaines études qui ont été faites que les gens étaient plus productifs, travaillaient plus, même c'était comme plus payant pour les entreprises parce qu'ils n'avaient pas de bureau à payer. Puis en ayant le bureau dans la maison, ben les enfants sont couchés, on fait une autre petite heure de travail le soir. Les gens sont mieux, mais il y en a qui se sont aperçus qu'ils travaillaient plus. Puis c'est sûr que la pandémie a amené plein de réflexions dans plusieurs familles, hein, où il y a eu des pendules qui se sont remis à l'heure, des valeurs qui ont été bougées, chambranlées, comme on dit en bon québécois, puis des gens qui ont fait vraiment des virages. Familiaux professionnel, et professionnels aussi. Vous disiez que vous, là, vous avez vous voulez faire votre plateforme, vous êtes en train de travailler ça. Oui, c'est ça. Vous le voyez, ça, en ligne, que les besoins sont de plus en plus là, cet aspect-là, parce que la COVID a amené ça aussi, là, ça a explosé au niveau Internet. De programmes de formation en ligne. Ça a commencé avant, mais là, c'est sûr qu'il y en a eu beaucoup plus, justement parce que les gens se sont retrouvés à la maison. Il y a eu beaucoup de réorientation au niveau professionnel. Les gens ont plus envie d'être leur propre patron à la maison, en télétravail, mais d'être entrepreneur, travailleur autonome. Donc, c'est sûr que on a vu ça, puis avec tout ce qui se passe en ce moment, l'intelligence artificielle et tout, ça, il y a beaucoup de choses qui se passent en ligne, puis on le sait qu'il y a des emplois, des professions qui vont disparaître probablement dans les prochaines années aussi. Mm-hmm. Donc, il va falloir se renouveler, se réinventer. Je pense que pour ce qui est des professions où on travaille avec les êtres humains, je pense qu'on est correct parce que je ne crois pas qu'il y a un robot, une intelligence qui remplace la psychologue ou une bonne enseignante, une bonne intervenante. Je pense pas ça que c'est. En tout cas, l'aspect humain, on peut mettre des robots pour enseigner des notions. Oui, mais l'aspect humain, on peut pas le remplacer. L'aspect humain, puis l'échange d'énergie humaine, c'est sûr et certain que. On l'a vu justement le premier confinement, hein, au primaire, entre autres, ça fonctionnait pas. Là, je veux dire, l'école à la maison, primaire en virtuel pour les enfants du primaire, non. Là, puis même au secondaire. Surtout en groupe, oui, mais je vous dirais que nous, on a découvert, à travers mes centres pédagogiques, on n'offrait du tout pas la formation à distance. Et du 1 à 1, pour certains, même les élèves, les TDAH et les TSA, il y en a pour qui ça a été mieux parce que justement, on était dans leur bulle. Oui, du 1 à 1. Parce que ce qui a été très catastrophique dans le milieu de la pandémie, c'est qu'il y a beaucoup d'écoles qui n'étaient pas prêtes à ça. Que des enseignants. Mm-hmm. Alors, les plus aguerris de côté informatique ont été capables de survivre sur un 30 sous, comme on dit, pour enseigner virtuellement. C'est sûr que de faire de la gestion de classe dans 27 maisons différentes avec 27 petits jeunes de 6 ans, un qui se met le doigt dans le nez, l'autre qui tire la queue du chat, l'autre qui ne sait pas comment ça marche, qui ferme son écran, c'est vraiment la gestion de classe de 27 élèves en même temps, qui même pour des adolescents, ça ne marchait pas. Non. Mais du 1 à 1, nous, oui, voyez-vous, ça, c'est un service différent. Qu'on maintient parce qu'il y a des parents qui disent « Oh mon Dieu, je le sens plus » parce que les écrans, ça fait partie de leur vie. Alors, d'être devant un écran, puis même, ils sentent le moins de contact humain, donc ça les anxieux, ceux qui... Donc, il y en a pour qui, moi, ça m'a totalement, je vous dirais, surprise parce que je dis « Oh mon Dieu, on a une clientèle pour ça, pour vraiment du 1 à 1. » Puis, mais en groupe, c'est une autre affaire, là. C'est une autre affaire. C'est sûr que ça a été... Puis beaucoup ont vécu de mauvaises expériences, puis ils se disaient, bien là, du 1 à 1, sinon c'est complètement différent, puis le voit. Mais il y en a que c'est sûr que le service en présentiel fait la grosse différence parce que les jeunes d'aujourd'hui... Ça, c'est une autre chose que je vais aborder avec vous, avec justement l'identité de genre. Puis, tu sais, ce que vous voyez, qu'est-ce que vous en pensez de ça? De, tu sais, on parle beaucoup là, des drag queens, justement, qui font la lecture. Comment vous, en tant que psychologue, est-ce que vous voyez vraiment un gros danger à ça? Qu'est-ce que vous en pensez, ou plutôt qu'est-ce que vous voyez à travers votre profession? Bien, je dirais, dans ma pratique, ça commence, là, j'en ai très peu vu des adolescents,
très jeune adulte, début de l'âge adulte, qui se questionnent ou qui se disent vraiment, je ne sais pas, non-binaire ou vraiment trans, mais très peu, là, puis c'est sûr, je ne suis pas sexologue non plus, ce n'est pas ma spécialité. Fait, mes collègues sexologues, je sais qu'ils en voient probablement beaucoup plus que moi. Mais en fait, c'est que ce que je vois, c'est que c'est toujours accompagné d'anxiété, de dépression, d'un problème psychologique ou de santé mentale qui est là. Donc, c'est dans ce cadre-là, moi, plus que je les que vois. Fait que ça, c'est une chose. Pour revenir à ce sujet de débat des drag queens, ben moi, une drag queen, je vois ça comme un personnage, un personnage de spectacle, de théâtre, comme de le Père cabaret. Noël, la fée Clochette. C'est un personnage avec les costumes et tout. On s'entend qu'il n'y a aucune femme qui s'habille comme ça au quotidien, ou même une femme trans, un homme trans, je ne sais pas comment on les appelle, on ne s'habille pas comme ça. Non. Pour moi, c'est un personnage. Fait que j'ai rien contre les personnages qui lisent des histoires aux enfants. C'est peut-être plus par rapport au message qui peut être véhiculé. Au contenu, surtout pour les tout-petits en garderie, maternelle et tout ça. Je pense que c'est important avant toute chose. Pour être capable de se questionner sur son identité, il faut quand même avant tout avoir des bases solides quand on est tout petit, hein, de oui, c'est quoi être un petit garçon, c'est quoi être une petite fille. Et puis, bon, on se définit à travers ça, selon ce que nos parents nous disent et tout. Puis, éventuellement, on va se questionner sur son genre, sur son identité, sur son orientation sexuelle, selon nos préférences, selon comment on se sent et tout. Mais il faut à la base, tu sais, parce que les tout petits, là, ils vont dire, elle a les cheveux longs, ça veut dire que c'est une femme, même si c'est un homme. Hein. Quand on est tout petit, on ne sait pas c'est quoi un garçon, une fille. Ah, sa chambre est rose, ça doit être une fille. Là, sa chambre est bleue, ça doit être un gars, eux, même si c'est le contraire, on ne sait pas. Je pense qu'on a besoin, parce qu'on revient aux balises encore, aux repères, à vraiment avoir, là, c'est ça, des repères qui vont permettre à l'enfant de se construire à l'intérieur de soi. Et ça ne doit pas se faire dans la confusion, puis dans des questionnements qui ne sont pas du tout de leur âge. Hein. C'est surtout ça, l'idée. Non, c'est ça. Puis à quelque part, c'est vraiment bien ce que vous dites, dans le sens qu'il faut vraiment qu'il y ait une balise. Donc, la balise, c'est la fondation. Ouais. Puis après ça, quand le jeune se construit à travers, naturellement, sa vie familiale, parce que c'est ça qui construit le jeune, après ça, un petit peu plus extérieur. Donc, la scolaire et tout ça. Puis après ça, lui ou elle peut dire, ben écoute, moi, je me ressens pas comme ça ou etc. Parce que là, on est rendu à des écoles, tu sais, les enfants se promènent en laisse comme si c'était des chiens. Sur les réseaux sociaux, là, j'ai pas compris. Livre pour enfants où on met un machin blanc sur le sexe du bébé garçon, du bébé fille pour dire, ben toi, tu peux décider que t'es pas une fille. Ça, donc, c'est trop tôt pour commencer à parler de ça. Moi, je pense que ça peut être extrêmement angoissant, anxiogène pour un tout petit enfant qui est en train de se construire puis qui ne comprend plus rien. Mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? Comment je peux m'identifier? Moi, je suis quoi, finalement? C'est ça. Parce que je suis trop jeune pour décider comment je me sens, comment je veux m'identifier. Ouais. Puis on me dit que pour le moment, ben ce que j'ai, c'est un papier blanc. Un teint blanc qui cache tout ça. Jusqu'à temps que je sache qu'est-ce que je veux devenir, ben là... donc, est-ce qu'on est... On s'en va pas justement dans quelque chose d'un petit peu trop? Ben peut-être... Ça dépend... Peut-être pas encore ici au Québec, mais je pense qu'aux États-Unis, en fait, à partir du moment aussi où il y a du matériel vraiment sur-sexualisé, sexualisé, comme des espèces de spectacles très sexy qu'on voit justement devant les enfants, dans les cabarets ou qu'on voit dans les endroits où surtout des hommes se tiennent. Là. Oui. Je pense que ça, c'est vraiment à proscrire parce que c'est beaucoup trop pour ce que les jeunes enfants sont capables de prendre dans leur imaginaire et tout ça. Puis ça peut, à la limite, peut-être devenir traumatique. Oui. Ça, je pense que c'est une première chose. Donc, pas de matériel sexualisé, c'est important. Tu sais, je veux dire, mettons, autour de la puberté. La puberté, c'est bien normal, là, quand arrivent les menstruations et tout ça, c'est bien normal là, qu'on commence à en parler. Mais je veux dire, avant, surtout nos tout-petits, là, maternelle, garderie, les premières années, les petits, ça, c'est une chose. Il y a toute la question du consentement des parents, quand même, aussi, de leur autorisation. Hein. Si les parents, eux, ils choisissent d'amener leurs enfants à la grande bibliothèque pour l'heure du conte, etc., c'est eux, les parents. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Mais si ça se passe à la garderie ou à l'école et les parents ne sont pas au courant et n'ont pas autorisé ça, ben là, moi, c'est un gros problème parce que je pense que pour la plupart des activités, de toute façon, qu'on fait... Mais en temps normal, ils sont censés, les parents sont avisés, là. D'après moi, là, ils se doivent de... Bien, j'espère, c'est ça. Je trouve que c'est vraiment important parce que pour n'importe quelle activité, quand on sort de l'école ou de la garderie, les parents sont avisés de toute façon. Même, je pense, les activités à l'intérieur de l'école sont avisées. Donc, c'est important que les parents,
autorise là, que donc ça le se parent passe, a toujours quand même le choix, effectivement, ça je le disais, qu'il est censé avoir un communiqué de la garderie, du service de garde, peu importe, ou de l'école qui dit ça. Puis il y a une différence entre... Puis c'est bien qu'on en parle puis qu'on évolue, parce qu'effectivement, c'est pas vrai qu'un petit garçon est obligé d'avoir une chambre bleue puis qu'une petite fille... garçon ne peut pas jouer avec une poupée ou joue pas avec des... Tu sais, parce que c'est bien qu'il y ait une évolution, parce que dans le temps, là, même des gens plus vieux que moi, tu sais, c'était carrément... Mais alors, regardons ça, lui, c'est une tapette, il joue avec une Barbie. C'était comme... Voyons donc, t'es pas une tapette, joue pas avec ça. Fait que c'est, t'sais, on n'était pas mieux, là. On a quand même une belle évolution, mais là, on dirait que pour qu'il y ait un retour du balancier à dire, bon, oui, il faut comprendre que le jeune peut aimer ça, jouer avec des... Tu sais, pas nécessairement. Il peut recevoir une poupée en cadeau s'il a le goût. S'il a le goût de s'essayer de mettre une jupe, puis que ça lui tente, puis que ça vient de lui, qu'il aime ça se maquiller, puis que 6 ans, exactement, laissez-le se maquiller. Que ça vienne de l'enfant. C'est ça. Mais là, d'aller dans l'autre extrême en disant, ben là, toi, t'es comme une page blanche. T'as pas de sexe, tu sais, ou plus ou moins. Puis déjà, là, faut que tu comprennes à 3 ans que tu peux ne pas te sentir comme un garçon. Je comprends rien de ça, là. Non, là, on est trop tôt. Ils n'ont pas les concepts dans leur tête, ils n'ont même pas encore les concepts de tout ça. Non, ils commencent à peine. Ils n'ont peut-être jamais vu de pénis, si c'est une petite fille, puis le garçon n'a peut-être jamais vu de vulve. À moins d'avoir une petite frère ou une petite sœur. Ouais, ou avoir des parents nudistes. Aussi. Ils sont plus ouverts, là, ils savent plus ce que c'est. Mais non, parce qu'on dirait qu'à chaque fois qu'il y a des gros changements comme ça dans la société, faut aller toucher les deux extrêmes pour avoir un certain équilibre. Oui, oui. Mais pendant qu'on va dans l'extrême, ben là, il y a des enfants qui sont... Oui, qui peuvent vivre, comme je disais, de l'anxiété, de la confusion, pas comprendre ce qui se passe. À la limite, comme je disais, s'il y a du matériel vraiment sexualisé, ça peut devenir un peu traumatisant, comme un enfant qui surprendrait ses parents en train de faire l'amour. Ça peut le traumatiser. Il ne comprend pas ce qui se passe. Il peut penser que papa frappe maman. Il ne comprend pas, là. Ça dépend des sons qui sortent de l'activité. Donc, c'est un petit peu la même chose. Je pense que il y a des choses qui appartiennent et qui doivent continuer à appartenir au monde des adultes, tout simplement. Peu importe drag queen ou pas, comme je dis, pour moi, c'est un personnage un peu comme de spectacle de théâtre. Fait que c'est pas tellement ça qui est important, c'est plus le contenu. Le contenu, si c'est un beau conte. Si on parle d'estime de soi, de confiance, développer ses talents, j'ai aucun problème avec ça. Mais si on sexualise beaucoup, puis qu'on en profite pour faire, tu sais, pour parler d'un contenu plus, justement, pas sexuel, mais de, tu sais, en lien avec des choses qui n'appartiennent pas ou un contenu qui n'appartient pas à des jeunes du préscolaire, c'est là qu'on rentre pas dans les... Puis c'est sûr que comme on a vu aux États-Unis, là, on voyait vraiment là, faire les drag queens, faire des danses, se faire aller le popotin, là, c'est devant des mamans avec des bébés, là, des bébés qui gardaient même pas. Non, ben eux, lui, il voit pas. Là, on est dans l'extrême. Non, mais ça comme pas. Tu sais, il y a rien nécessairement de positif là-dedans, là. Donc, quel défi vous vous donnez en tant que psychologue et psychothérapeute pour les prochaines années avec la clientèle? Vous ciblez là, justement à travers Internet plus la charge mentale, mais à travers votre pratique. Bien, vu que je me spécialise, peut-être je vais être amenée à avoir un petit peu plus de personnes qui ont cette problématique-là, dans le fond, puisque en se spécialisant, bien... T'sais, à un moment donné, on a envie peut-être plus de travailler avec une certaine clientèle. Comme je disais tantôt, je ferai encore un petit peu d'évaluation cognitive, TDAH. Peut-être qu'éventuellement, j'en ferai plus. Ou je vois encore des enfants en psychothérapie. C'est sûr que c'est plus complexe parce que les enfants, habituellement, ce n'est pas eux qui choisissent de consulter, c'est les parents qui les amènent. Hein? La motivation n'est pas la même. Possiblement que je vais en voir de moins en moins, que je vais plus aller vers les adultes, jeunes adultes, hommes et femmes, ça, j'aime bien. Parce que, comme on disait tout à l'heure, les hommes aussi vivent cette problématique-là de la charge mentale. Puis, mais ça va avec l'anxiété, ça va avec la dépression, ça va avec tout ça, ce qui fait que les gens viennent me consulter. Fait que peut-être que, c'est ça, je me spécialise en ligne, je vais faire peut-être un peu plus d'accompagnement de groupe en ligne. Puis en privé, bien, ça sera peut-être plus aussi autour de cette problématique-là, entre autres, mais avec tout ce que ça...
tout ce qui entoure la problématique aussi, là. Puis, pour donner quelques petits trucs, par exemple, vous dites que vous avez fait des évaluations justement pour déceler le TDAH. Quels sont les signes avant-coureurs? J'aime ça. Souvent, je les dis, je les donne, mais je trouve ça bien que ça soit une psychologue aussi qui dise puis qui font. Parce que justement, tout d'abord, pour évaluer le TDAH, on va voir une psychologue naturellement qui psychologue, peut pratiquer. Neuropsychologue. Neuropsychologue. Ouais. Parce que, bon, en milieu scolaire, moi, je trouve qu'il y a trop d'enseignants. L'enseignant est capable de voir les signes avant-coureurs du TDAH. Même le parent devrait les voir avant que l'enfant entre à l'école, souvent. Mais je trouve que dans ma profession, à moi, il y a trop d'enseignants qui diagnostiquent tout de suite, qui disent oui. Écoutez, moi, je ne suis pas mature qu'il y a un TDAH, là, allez voir. Donc, c'est comme aller juste faire approuver. Non. Alors, donc, on peut parler de signes avant-coureurs, on peut amener le parent vers un psychologue. Et moi, ce que j'aimerais peut-être que vous nous donniez comme petit truc, c'est le parent qui a des enfants déjà d'âge préscolaire ou même de début de scolaire. Quels sont les signes avant-coureurs du TDAH? Parce que tu as des TDA sans la l'hyperactivité. Donc, oui, ceux-là sont plus difficiles à déceler. Oui. Donc, plus du déficit d'attention. Oui, déficit d'attention. C'est sûr que le gros H, on le voit. L'hyperactivité, là. Oui, c'est ça. L'hyperactivité quand il grimpe les murs. L'hyperactivité, c'est des enfants qui bougent énormément. Comme je dis, un exemple, que l'enfant, il montait l'escalier, mais de l'autre côté de la rampe, sur le petit bout, là. Oui. Hein, des enfants très téméraires. Vive des grosses émotions. Des émotions fortes. Fait que là, il y a peut-être des chances. Mais pour le déficit d'attention, c'est pas évident parce que l'attention, c'est sûr qu'elle est beaucoup plus mince en termes de durée quand on est tout petit, mm-hmm. qu'en vieillissant. Mm-hmm. Puis des fois, il y a des enfants qu'on a l'impression, même qui sont très agités, des petits garçons entre autres, là, qui sont très, très, très actifs. Des fois, c'est juste l'immaturité. C'est ça, exactement, avant l'entrée scolaire, surtout nos petits garçons là, de août, septembre, entre mm-hmm. autres. Puis une fois qu'ils rentrent à l'école, les choses se placent, ça va bien. Puis finalement, il n'y a pas de TDAH. Oui, puis des fois, les parents veulent une dérogation. Ils veulent comme tirer sur la fleur pour qu'elle pousse parce qu'ils disent, bon, ben là, oh, c'est plate, il aurait pu rentrer là, en maternelle, il est né en octobre. Surtout un petit garçon, ben des fois la maturité... C'est ça, des fois, vaut mieux attendre. Fait que, tu sais, il y a ça aussi. C'est pour ça qu'on n'est pas supposé donner le diagnostic mm-hmm. à l'âge de 7 ans, de toute mm-hmm. façon, parce qu'il faut laisser l'enfant, justement, maturer au niveau neurologique. Mais c'est sûr qu'au niveau du déficit d'attention, ben un enfant... dont l'attention ne va pas augmenter à travers les années quand on lui fait la lecture, par exemple. T'sais, après une ligne, il est déjà en train de regarder autre chose, de s'occuper du chat, du petit toutou, qui n'est pas capable de garder l'attention sur le parent qui est plein en train de lui stimuli, lire une histoire, même si c'est une courte histoire, là, puis que ça n'augmente pas d'une année à l'autre, comme j'ai tantôt. Quand on est tout petit, bébé ou tout petit, c'est sûr que c'est juste deux, trois minutes, mais au fur et à mesure qu'on vieillit, ça augmente. Donc, l'enfant qui n'a pas cette attention-là, que quand on lui parle, bien, même si on lui parle en le regardant dans les yeux, moi, j'ai toujours, s'assurer qu'il nous regarde, qu'il a bien entendu, qu'il a bien compris, pas du sous-sol au troisième étage, puis que finalement, il n'a pas compris, ça, c'est autre chose. Puis que malgré qu'on lui ait parlé comme ça, en regardant dans les yeux, deux secondes après, il a déjà tout oublié de ce qu'on vient de dire, ou il retient seulement une partie. On a donné, je ne sais pas moi, trois consignes, il s'en souvient seulement d'une sur les trois, puis c'est comme ça, même si c'est dans la routine du soir, à tous les soirs, c'est de les mêmes trois récurrente. Consignes. Il n'arrive pas à intégrer les routines. Tout ce qui est, c'est ça, là, inattention. Puis c'est sûr qu'une fois à l'école, bien, c'est l'enfant qui oublie presque constamment ses devoirs, son agenda. Il oublie de mettre dans son l'agenda article scolaire. Ce qu'il doit faire. Hein, il perd ses clés, perd ses lunettes, perd sa tuque, ses gants, ses bonnes. Par tout le temps, beaucoup, beaucoup de choses. Puis c'est sûr, il y a les enfants qui sont quand même vifs au niveau de l'intelligence, ils sont capables de compenser quand même quelques années puis avoir des bons résultats scolaires. Mais à un moment donné, là, tu es rendu à la cinquième année, entre autres, il y a des années qui sont plus difficiles où là, l'enfant n'arrive plus à compenser, sinon ça peut être rendu au secondaire, mais c'est ça, on ne peut pas toujours se fier aux résultats. Bon, ceci dit, si l'enfant a des bons résultats, il n'est peut-être pas nécessaire, par exemple, de prendre une médication, là. Je trouve que c'est... Oui, la médication, si on peut en parler, là, c'est des fois, c'est distribué comme des Smarties. C'est ça, là. C'est ça, exactement. C'est pas des Smarties. Mais il y en a pour qui c'est révélateur, la médication? Bien, pour l'enfant, qu'on sait qu'il y a un super bon potentiel intellectuel, bien qu'à cause du déficit d'attention, il est en échec, c'est sûr que ça peut tout changer dans sa vie. Parce que, tu sais, s'il passe d'une moyenne de 50 à une moyenne de 75...
ça a vraiment changé quelque mm-hmm. chose. Fait que je pense que oui, pour certains enfants, c'est vraiment important, c'est vraiment salutaire. Moi, comme je dis toujours aux parents, mais tu sais, ça dépend aussi des effets secondaires. C'est toujours un bénéfice, Chris. Est-ce que c'est, les bénéfices sont mieux que les effets secondaires? Tu sais, c'est toujours ça qu'il faut vérifier. Des fois, il faut peut-être penser plus aux mesures adaptatives. Des fois, c'est de changer d'école. Oui. Des fois, on a voulu l'école privée pour notre enfant, tandis qu'il pourrait être très heureux avec quelque chose de moins enrichi ou moins poussé, avec un rythme moins effréné. Tout à fait. Puis l'enfant, à ce moment-là, moi, souvent, c'est ce que je conseille. Je dis, bien, c'est peut-être que c'est déjà le contexte qui répond pas là, à l'enfant. Puis des fois, c'est l'enseignante. Hein. On sait, là, selon les recherches, que ce qui est le plus garant de la réussite d'un élève, c'est son lien à l'enseignant, à l'enseignante. Puis d'une année à l'autre, il y a des enseignants très tolérants, très patients, des enseignants eux-mêmes très actifs, pleins d'énergie, qui vont tolérer beaucoup plus. L'autre enseignant hein, qui est comme ça, puis qui tolère rien, là, tous les enfants... qui est tanné d'en voir, ça fait comme longtemps qu'il en voit, puis que oui, là... Oui, c'est ça! Fait que ça fait toute la différence aussi quand même. Là, c'est faire porter beaucoup sur l'enseignant, mais c'est pas ce que... Dans le fond, c'est pas tant ça que le lien qui est créé. Non, mais c'est une partie prenante, puis des fois, justement, de peut-être attendre sur une année ou deux, parce que... ça peut changer la donne. Effectivement, un enseignant, ça peut changer carrément la donne là, dans un cheminement scolaire. Ouais. Donc, je voulais juste des petits trucs comme ça pour que les parents, parce que ce sont eux qui peuvent voir les signes avant-coureurs du TDA ou du TDAH, etc. Les troubles anxieux, on en a parlé un petit peu. Donc, par rapport aux troubles anxieux chez l'enfant, comment on peut le dénoter plus chez l'enfant que chez l'adolescent? Est-ce que ça arrive plus à l'adolescence? Non, il y en a des petits aussi qui en ont. Oui, dès le jeune âge. Oui, il y en a. C'est quand même plus rare, les tout petits, mais dès l'âge du primaire. Ben, en fait, c'est parce que chez les tout petits, on va avoir des phobies, mais c'est des phobies normales pour leur stade de développement. Okay. Dans le fond, fait que ça, il ne faut pas s'alarmer. L'enfant qui a peur des monstres, des voleurs, des méchants la nuit, ou qui a peur tout simplement dans le noir, qui a peur d'aller dans le sol, quand ils sont petits, c'est normal. On ne s'inquiète pas pour ça. Comme je dis toujours, la même phobie ou la peur du noir à 12-13 ans, ah, là, c'est plus inquiétant. Oui. Donc, il y a ça dont il faut tenir compte vraiment à l'âge développemental. Mais, tu sais, c'est l'enfant qui a toujours besoin d'être rassuré, qui va poser 5 fois la même question. Mais là, c'est où qu'on s'en va? Dans combien de temps qu'on arrive? Puis là, pourquoi tu passes par ce chemin-là? Puis, tu sais, l'enfant qui fait beaucoup d'anticipation, de scénarios catastrophes, qui voit toujours le pire. Bien sûr, les enfants qui ont beaucoup de maux de ventre. Les enfants, l'anxiété, c'est beaucoup somatique. Fait que maux de ventre, diarrhée, nausées, on va voir beaucoup ça. Hein? L'enfant qui a mal au ventre juste avant de partir à l'école ou quand il arrive à l'école, puis là, maman a un appel, papa, ben là, il a mal au ventre, venez chercher, puis une fois à la maison, là, il pète le feu, puis tout va bien. Ben ça, c'est un gros signe d'anxiété habituellement. Oui, puis des fois, c'est un signe qu'un des parents est anxieux aussi. Ça, entre autres, dans l'anxiété de séparation, souvent, on va voir ça, là, qu'un des parents aussi vit un peu d'anxiété, un peu ou beaucoup même d'anxiété de séparation. L'enfant qui refuse de dormir à l'extérieur de la maison, que ce soit même chez ses grands-parents ou chez des amis quand ils sont un petit peu plus vieux. Là, à partir de 8, 9, 10 ans, qui ne veut pas du tout dormir à l'extérieur. Bien, l'enfant qui se réveille la nuit, qui va rejoindre les parents dans leur lit pendant la nuit, que dès que les parents sont sortis, ils se mettent à imaginer le pire, que les parents ont eu un accident parce qu'ils ont un petit 5 minutes de retard qui ont peur carrément d'être abandonnés par leurs parents. Ah, vas-tu revenir? Vas-tu revenir? Ils m'ont laissé là. Ils m'ont dit qu'ils voulaient me... quand je étais fâchée, ils m'ont dit telle affaire. Exact. Fait que là, on parle plus d'anxiété de séparation, mais souvent, c'est vrai qu'il y a un des parents... qui peut en vivre aussi, là. On n'a pas abordé aussi l'aspect intimidation, parce que ça existe dans nos écoles depuis longtemps, parce que, bon, ça aussi, ça peut faire partie de l'anxiété, ça peut faire partie de problèmes scolaires. Puis on dirait qu'il y a des vagues où on parle... aussi, l'intimidation, ça fait longtemps que ça existe, dans le temps, etc. Puis il y a comme des modes où on en parle, on n'en parle pas, on attend qu'il y ait quelque chose qui arrive dans les médias. Est-ce que vous avez eu à composer avec des enfants qui ont déjà vécu l'intimidation? Comment on peut résorber ça? Moi, je sais que des fois, je vais leur dire, bien, on peut changer d'école, on peut... Quand ça va trop loin, ça m'est arrivé enfant, adolescent aussi, là... autant en milieu scolaire qu'en bureau privé aussi. Ça m'est arrivé pas
temps, ou des fois, tu sais, c'est pas énormément d'intimidation, mm-hmm. tu sais, ça se règle quand même rapidement, oui. une intervention qui est faite, les choses se placent, ça perdure pas. C'est ça. Quand ça perdure, puis je sais pas, moi, les parents de l'enfant intimidateur, tu sais, interviennent pas, font rien et tout, des fois, ça peut aller, oui, jusqu'à un changement d'école, malheureusement, là, quand ça va trop loin. Peut-être plus... avec les adolescents. Hein. Mm-hmm. Ce que je vois, mm-hmm. des fois, c'est plus de l'intimidation, mais par des ligne. Photos en ligne ou par des photos osées de la jeune fille qu'on a mis, je ne sais pas moi, son visage sur un corps nu ou quelque chose. Oui. Ça fait énormément de tort. Là. Surtout à l'adolescence. Oui, vraiment. Ça c'est vraiment plus difficile. Puis les jeunes intimidés, qu'ils soient enfants ou adolescents, est-ce que vous avez vu un profil... particulier d'enfants qui seraient plus sujettes à être intimidés? Bien, peut-être, c'est sûr, l'enfant qui a moins confiance en lui, qui s'affirme pas beaucoup, qui a peur du rejet, qui a peur de déplaire. Qui est marginalisé aussi des fois par un... Ou un enfant qui est plus, différent. Plus marginalisé, plus différent aussi, ça peut arriver. Mais c'est ça, c'est l'enfant qui n'arrive pas à s'affirmer, à mettre ses limites, à comment se défendre, puis à dire non, là, tu ne me parles pas comme ça. Ou l'enfant qui ne va juste pas en parler. Il y en a beaucoup des enfants qui ne le disent pas, ou ça prend des mois, des années avant qu'ils le disent à leurs parents, par exemple, qui ont vécu ça. Des fois, c'est terminé, c'est passé, mais ils l'ont vécu il y a un an ou deux. Il y a beaucoup d'enfants qui gardent ça pour eux. Que ça, questionner son enfant, c'est bon aussi. De s'intéresser à quelle est sa relation avec ses pères. Souvent, je donne ça, ce petit truc-là aussi, de voir bien, votre enfant, comment il se situe dans la classe, avec ses relations, avec ses pères, ses amis, etc. On parlait tout à l'heure de l'enseignant, vous étiez en milieu scolaire et tout ça. Pour les enseignants, est-ce que vous avez vu une évolution, des choses qui ont changé par rapport à la dynamique des enseignants versus l'enseignement avec les jeunes? Bien, pas tant, parce que pour moi, c'est vraiment une vocation d'être enseignant d'une façon ou d'une autre. Puis je pense que ceux qui vont en enseignement, mais qui n'ont pas nécessairement cette passion puis cette vocation-là d'enseigner, de transmettre les connaissances aux enfants, ils restent pas dans le milieu scolaire. On le sait, il y en a quand même, je ne sais pas c'est quoi les statistiques, mais il y a un bon pourcentage qui quitte. Surtout les nouveaux, surtout les jeunes enseignants. Donc ça aussi, si on y avait une étude à faire, pourquoi les jeunes enseignants restent moins? Alors, est-ce parce qu'ils sont moins forts psychologiquement? Est-ce que... Peut-être avec ce qu'on disait. C'est nos anxieux, nos fameux anxieux qui deviennent enseignants. Moi, je sais, je les engage, là, ça fait 30 ans. Et puis, effectivement, je vois d'année en année que les QV d'enseignants, tu le vois, puis on regarde le profil. Je regarde des fois justement comment ces jeunes adultes-là sont. Puis je me dis, je peux déjà dire, lui a été éduqué de telle façon avec ses parents. Ah, lui a eu une éducation beaucoup plus ouverte, beaucoup plus... justement aussi lui qui décidait, ce qui fait que à 21, 22 ans, il sait pas encore... Tu sais, on a mis des... Parce qu'on parlait de charge mentale, mais on parle aussi de charge beaucoup à l'enfant. On dirait de plus en plus... Hein, de charge mentale à l'enfant. Ça va peut-être être une nouvelle mode qui va sortir, quoi que ça existe. Charge mentale de l'enfant. Oui, il n'y a pas beaucoup de choses là-dessus, mais je vais m'y intéresser. Mais j'ai vu ça passer à un moment donné quand même, charge mentale de l'enfant. Puis même, je dirais, tantôt, on disait que d'une part, les parents sont trop parfois surprotecteurs, devraient laisser les enfants s'ennuyer pour imaginer, créer, se créer un jeu, etc. Puis d'autre part, tu sais, on leur met en même temps beaucoup de responsabilités qui ne leur appartiennent pas sur les épaules à prendre certaines décisions. Fait que l'enfant, il est tout mélangé là-dedans. On comprend qu'il devient anxieux, là. Ça devient des mini-adultes, puis là, ça devient quasiment des mini-avocats. Parce que même de vouloir discuter, il y a eu une grosse mode là-dedans à un moment donné où on dit à l'enfant, « OK, explique-moi, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, dis-le-moi. » Tu sais, puis il y a beaucoup de discussions, il y a beaucoup de dialogues. Puis là, ça faisait comme des mini-avocats. ça devient les mini-avocats où ils argumentaient. Oui, non, mais moi. Mais c'est correct encore de dire à son enfant, mais pourquoi? Pas obligé toujours de justifier comme parent. Parce que j'ai décidé qu'aujourd'hui, tu n'allais pas chez ton ami. Pas obligé de toujours vérifier. Pas toujours obligé de justifier en tant que parent. Ben non. Non, c'est sûr. Puis on peut expliquer des choses.
Bien, on peut l'expliquer. C'est oui. sûr que ma mère, elle me disait ça quand j'étais jeune. Elle disait, quand on dit non à un enfant, il faut prendre le temps quand même, lui expliquer pas pendant oui. des heures. Là. Je dis non parce que telle chose, alors que c'est beaucoup plus facile de dire oui. Quand on dit oui. Là, mais oui. On n'a absolument rien Exactement. À expliquer. Exactement. On dit oui, puis tout est correct, puis tout est beau. Fait que ça demande beaucoup moins d'énergie et de temps pour le parent à ce moment-là. Mais effectivement, on n'a pas... Ben en tout cas, on n'a pas expliqué pendant des heures. Tu sais, ça, c'est certain. Ils sont choisis que Et pas de se justifier. Il y a une différence entre ça. Expliquer et oui. se justifier. Et se justifier. Oui, exactement. Parce que... on oublie des fois comme parents que oui, bien sûr, notre rôle, c'est d'aimer notre enfant, de prendre soin de ses besoins, mais c'est aussi de l'éduquer. Hein? C'est de le sécuriser, c'est de l'aimer, mais c'est aussi de l'éduquer. Puis cette partie-là... Les parents, amis, là, les mamans cool, les papas cool, là, c'est peut-être pas l'idéal non plus. Ben, tu peux être cool, rendu mais... peut-être à l'adolescence, oui. ça m'a rendu à un certain âge, mm. comme je disais tantôt, mm. selon la personnalité de notre adolescent aussi, tu sais, si l'adolescent est déjà super bien organisé, fait ses affaires, sait où il s'en va et tout, ben, on peut quand même être relativement cool avec, versus celui qui passe 12 heures devant oui. ses écrans, qui fait pas ses travaux, qui est en train de décrocher au niveau scolaire, tu sais, c'est différent aussi, là. C'est de faire vraiment notre travail de parent, puis de pas, justement, comme vous dites, parce qu'effectivement, dire oui, c'est facile. Dire non, là, c'est une autre paire de manches. Mais c'est ça, le rôle du parent, parce ouais. que plus on dit oui pour s'en débarrasser, puis c'est la même chose avec un enfant turbulent, de le laisser là, tout le samedi matin devant l'écran, 2-3 heures, là, ça t'aide pour le ménage en maudit. Mais, oui. tu sais... C'est peut-être pas la bonne solution, par exemple, de laisser l'enfant devant l'écran toute la journée parce que hey, c'est le fun, j'ai pu faire tout ça, je l'ai pas entendu, il y a pas, tu sais, j'ai pas mm-hmm. eu besoin. Parce que ça fait partie aussi de la charge mentale. On dit à un moment donné, on va prendre des raccourcis pour. Oui, oui, oui comme on dit. On choisit nos batailles. Hein? On choisit nos batailles, puis des fois, ben donc de se faire aider, puis d'aller voir justement un psychologue, puis d'être capable de mettre des mots sur ce qu'on ressent, de trouver des solutions avec des gens compétents comme vous. Ben à ce moment-là, ça permet aux parents de dire bon, écoute, oui, je suis vraiment en charge mentale. Oups, moi j'ai fait ça. C'est peut-être pas les bonnes alternatives que j'ai prises pour m'alléger, parce que des fois, on peut avoir le réflexe de faire quelque chose, mais que ça va empirer la situation. Oui, oui, oui. Donc, d'avoir un regard extérieur de ce qu'on vit, ça fait une différence. Toujours. Quand on prend du recul, quand on prend une distance, c'est toujours aidant, peu importe la situation. Et je vous remercie beaucoup pour cette belle rencontre, Mme Pagé. Écoutez, je ne sais pas si vous aviez d'autres points que vous auriez aimé discuter avec moi par rapport à ce que vous faites. Je pense qu'on a fait pas mal le tour, plus oui. même que vous pensiez. mais donc, vraiment, je vous remercie d'être venu partager votre expertise avec moi. Et je remets toujours un diplôme à mes invités. Ah! Okay. Oui, alors, je suis un prof, hein, donc... c'est vrai. C'est ma marque de commerce, alors donc, je remets des diplômes à tous mes invités, alors vous aurez certainement le vôtre. Alors donc, certificat d'engagement décerné à Christine Pagé. Pour ses chroniques informatives et accessibles à tous, pour son implication tant auprès des enfants que des adultes, pour ses nombreuses années auprès des jeunes et adolescents en pédopsychiatrie et en milieu scolaire, pour l'expertise qu'elle a développée en santé mentale, pour toutes ces femmes, mères et travailleuses auxquelles elle tend la main, pour l'innovation qu'elle apporte à sa profession, pour ses différentes approches visant à aider davantage les êtres humains qu'elle rencontre, pour son attention à vouloir intervenir en s'adaptant aux besoins et à la personnalité des gens, pour être en constante évolution afin d'en faire bénéficier ses clients et plus encore, pour les méthodes décharge et recharge mentale offertes, parce que c'est ce que vous ça êtes en train de travailler. De mes programmes. Oui, alors décharge et recharge mentale. Alors, merci beaucoup, Mme Pagé, vraiment. Merci infiniment. Merci, ça m'a fait plaisir. Quel bel hommage. Wow! Ben, oui, puis moi, j'aime ça parce que je l'ai fait même avant de vous rencontrer. Ben alors, oui, c'est ça. J'ai mes petites ondes. C'est vraiment... Je suis surprise, agréablement très surprise. Ça fait plaisir à recevoir. Alors, à côté c'est des autres bien. Diplômes d'expertise. Je vais le garder précieusement. Merci infiniment. Merci.